très l'identive, coefficient 3. L'objectif, c'est de faire le maximum de points ici, puisque Gilles n'en marquera pas. Et toi, tu n'as pas fait ton plein encore en coefficient 3. Ouais, c'est vrai que ça peut être un des objectifs, mais je pense que l'objectif prioritaire ici est de bien préparer les Cévennes et le Var. Donc on est surtout là dans une séance d'essai grandeur nature sur un rallye comme est l'Antibes. Donc on essaie pas mal de solutions techniques différentes, d'une voiture à l'autre, d'une spéciale à l'autre, pour avoir un maximum d'informations pour très bien préparer Cévennes et Var. Quand on se bat pour le titre comme tu le fais en ce moment contre Gilles, on peut encore se permettre de faire des séances d'essai en grandeur nature pendant un rallye ? Complètement, parce que le résultat d'ici ne change rien au résultat final, puisqu'il faut en coefficient 3, bon, si je gagne c'est bien parce que je reprends 39 points simplement, mais c'est surtout d'être dans les deux coefficients 5, Cévennes et Var, d'être devant lui. Gilles, déjà 3 spéciales et déjà un petit problème de course. Et déjà out, tout simplement, 4 minutes et... Il faut que je retrouve un peu la niaque pour essayer de me faire plaisir et prendre goût à vouloir envie de rouler, parce que je sais pas ce qui se passe ici à l'Antibes, c'est à chaque fois comme ça. C'est un rallye qui est superbe, c'est mon rallye, et inexplicablement, voilà, une crevaison. En plus, j'ai même pas senti une crevaison lente, puis bon, une crevaison quoi. Puis après, j'ai vu que dans les courbes gauches, la voiture prenait du roulis, je l'ai dit à Hervé, et puis j'ai léché un rail. Et... Il a fallu changer la roue parce qu'il y avait beaucoup trop de kilomètres à faire, et puis on perd beaucoup, énormément de temps, c'est comme ça quoi. Quoi qu'il arrive, tu as fait le plein des points en championnat de France pour le coefficient 3, donc il faut finir la course pour te remotiver, mais c'est pas dramatique. Non, il n'y a rien qui est dramatique. Ce qui est dramatique, c'est que j'avais envie de gagner cette course et j'avais vraiment envie. Et là, bon, voilà, c'est comme ça. François, rallye d'Antibes, on part juste, il n'y a que 3 spéciales, mais déjà la tête, ça c'est bien parti pour toi. Ouais, ça se passe bien pour l'instant en tout cas, et ce qui est surtout super en mon sens, c'est d'arriver à essayer de contenir la Toyota, et je pense que ça veut dire quand même que les kit cars aujourd'hui sont des voitures extrêmement performantes. Et après vous aurez...
Ça c'est bon. C'est dégueulasse, là. Il est où, Jeannot? Dis-moi les temps, redonne-moi les temps. Et nous? Quoi, tu fais combien? 26, nous. Putain! Et combien il fait, lui? Et je pars? Toute pile de Jeannot dans la spéciale. C'est à mon avis. Elle a cassé dans une courbe rapide, la direction. La cassette de la courbe rapide, on est parti à travers, on a failli percuter des arbres. Et je suis arrivé à la récupérer par miracle, mais après c'est inconduisible. En plus, lui, il est tombé sur la route apparemment, parce que c'était hyper glissant. Non, c'était glissant avant. Enfin, moi, avant que ça casse, ça a cassé juste après Aspros. Donc j'ai fait plus de la moitié ou plus de la moitié de sa direction. Et je pense qu'on avait un bon rythme, parce que avant le brouillard, ça allait bien, et dans le brouillard, ça allait très bien. Ouais. Ça cassé le combat à fond de 4. Là, j'ai des bras. C'est pas la première fois que ça t'arrive. Non, encore, c'est la deuxième spéciale. Je me suis détaché pour pouvoir. Et dans les épingles, Gilles, dans tout ce qui était épingle, Gilles m'a aidé à tourner. Oh,
Je suis d'autant plus satisfait qu'on est devant une référence, un pilote qui a la chance peut-être de faire du mondial l'année prochaine, en l'occurrence Armin Schwarz. Et pour moi, c'est encore une plus belle victoire. C'est vrai qu'on est devant Bugalski. J'ai aidé Gilles Panizzi pour le titre. Mais d'être devant une 4 roues motrices, je pense que c'est fabuleux. Satisfait de sa saison dans les championnats de France? J'ai eu un départ très difficile. Vous savez, le championnat de France, c'est un niveau très élevé. On s'imagine absolument pas la vitesse d'exécution. Et aujourd'hui, j'ai mis un certain temps. Aujourd'hui, je pense que je suis très compétitif. Okay. François Delecourt pour 3 secondes, il est vainqueur. Je pense que toute l'équipe Peugeot, Jean-Pierre Nicolas, va venir se réunir autour de cette voiture. Allez, les applaudis, les vainqueurs de cette épreuve du championnat d'Europe et du championnat de France, 96, 30e édition du Rallye d'Antibes.